On a beaucoup de commerçants qui se plaignent que les centres-villes sont défréquentés, etc. Et je trouve que c'est une initiative très bien pour relancer ces moments de consommer local et faire appel aux artisans et commerçants de quartier. Ça paraissait intéressant de consolider, d'échanger et de voir ce qui pouvait se passer sur d'autres territoires. Il y a des beaux témoignages et de beaux ateliers qu'on va écouter avec beaucoup d'intérêt. C'est que les centres-villes sont tous un petit peu en souffrance sur le territoire français. Voilà, on n'y échappe pas, hélas. On a une très belle ville, le Puy-en-Velay, c'est une jolie ville au cœur du Massif central, au sud du Massif central. Mais c'est vrai qu'on n'échappe pas aux problèmes du commerce en général. Et on vient ici pour essayer de trouver, non, peut-être pas des solutions, mais au moins des belles idées. Cette journée, je trouve que quelque part aussi ça remotive parce qu'on voit qu'on a tous les mêmes problématiques, on n'est pas seul face à nos problèmes. C'est toujours passionnant de pouvoir échanger les expériences et d'écouter les idées qui émergent dans chaque coin de notre pays et même de Belgique et de Suisse. C'est une journée enrichissante. Il ne faut pas se cacher les problèmes parce que sinon on ne les résoudra pas, mais il y a des moments aussi il faut se tourner vers l'avenir et sur ce qui marche. Donc on ne peut pas parler de tout en même temps parce que c'est tellement plus facile de parler de ce qui ne va pas pour garder ce qui va et s'appuyer sur ce qui va pour continuer. Très agréable d'être ici pour déjeuner sur les terrasses, on a une belle lumière, on est protégé du frais quand même de Paris d'aujourd'hui. Très agréable. Ce qui m'a étonné déjà, c'est la forte participation parce que souvent les gens, on leur propose des solutions et ils ne se donnent pas forcément les moyens, enfin ne font pas forcément la démarche justement de,
de venir participer à ces manifestations-là. Je trouve que c'est vraiment très intéressant. C'est un échange qui est magnifique. Qui est vraiment magnifique parce qu'on rencontre des gens de toutes les provinces de France, sans oublier ceux qui viennent de Suisse, qui viennent un peu de partout. Il y a un très bon animateur, ce qui permet de fédérer bien la salle. On a une salle qui participe énormément, ce qui prouve que quelque part les gens sont impliqués. Et vous savez, quand l'auditoire rencontre celui qui parle, ça ne peut faire que du bien, ça ne peut que marcher. On est dans l'humain, le commerce c'est l'humain, et c'est ce qu'on ressent tout au long de cette journée, de ces interventions. Je viens voir ce qui se passe en France au niveau de la redynamisation des centres-villes. Parce que c'est tout à fait intéressant de s'inspirer des idées des autres et d'être positif par rapport à ce qu'on peut faire de mieux, ce qu'on peut améliorer. Et souvent, dans ce genre de réunion, on est porté à critiquer, mais d'avoir une thématique qui est essentiellement basée sur le positif et de trouver des solutions, je trouve ça fort intéressant. On n'est pas habitué à ça, et surtout lorsqu'on est intervenant, de monter sur scène dans un décor stagé, comme on dit, c'est un peu déroutant, mais c'est très bien. On va s'en inspirer d'ailleurs. La journée s'est bien passée, contente d'avoir retrouvé aussi d'autres acteurs de développement du centre-ville, des anciens collègues puisqu'avant j'étais chargée de mission commerce à Nevers. Donc voilà, on essaie toujours de dynamiser le commerce comme on le peut et donc on va suivre avec attention les prochains projets du cœur de ville et puis toujours satisfaite de pouvoir découvrir aussi ce qui se fait dans les villes en France et en Outre-mer. Alors pour avoir participé plusieurs fois à des réunions, soit sur la fidélisation, soit sur la dynamisation du commerce en centre-ville. Les intervenants de ce matin nous ont beaucoup appris de choses. Nous, on en a tiré une conclusion, c'est qu'on faisait partie des bons puisqu'on a pratiquement tous les éléments, mais malheureusement, on a des difficultés à les mettre en place à cause essentiellement des institutions. Et cet après-midi, le cœur de ville a été un gros moment pour nous. J'ai été agréablement surpris, tout simplement parce que le public était très attentif, très à l'écoute, j'en ai pas vu un seul qui dormait et surtout ils avaient beaucoup de questions. J'en ai frustré pas mal d'ailleurs parce que je crois qu'on aurait pu passer 3 jours supplémentaires pour répondre aux questions de tout le monde. Voilà, mais la FNCV, Vitrine de France, va répondre aux questions. Mais en effet, il y avait une attente très particulière, il y avait une envie d'échanger, de partager. Je crois qu'aujourd'hui, on a eu vraiment un espace pour cela, échanger, partager, apprendre et surtout demain aller plus loin. Écoute, c'était une journée super, on s'attendait pas à autant de monde, d'horizons aussi variés, venant d'aussi loin, donc c'est vrai que c'est pour nous en tout cas une réussite. On a travaillé plus d'une année sur cet événement et voilà, ça a dépassé nos espérances, donc on espère vraiment pouvoir vous retrouver dans de prochains événements en région ou national. En tout cas, on espère vous revoir très vite et merci, surtout merci à tous d'avoir fait le déplacement. J'ai été étonné déjà par le succès, parce que bon, une salle pleine comme ça, 900 places, hein, quasiment occupées toutes. La qualité des intervenants, la qualité de ce qui a été dit, on n'a pas tout abordé, mais en tous les cas, on a abordé quelques-uns des problèmes essentiels. Ce ne serait pas une journée, il faudrait... Vous savez, on a mis 50 ans à tuer nos villes en France. On ne va pas refaire en une journée, par un coup de baguette magique, réapparaître des centres-villes comme on les aimait avant. Donc voilà, ça va prendre du temps, ça va être des efforts.
l'effort de tous, l'effort en commun, de manière à tous travailler ensemble, localement, nationalement, pour, avec une même vision de l'avenir de nos cœurs de ville.